Bonjour à toutes et à tous les amis, écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour faire l'interview d'un sportif ou d'une sportive qui pourrait éventuellement faire l'actualité. Aujourd'hui, c'est un interview basket et j'ai grand plaisir d'être accompagné par Thomas, déjà de la rédaction basket du CCS. Salut Thomas. Salut Clément, salut Jérémy. Évidemment, ah bah voilà, ça spoil, mais c'est pas un problème du tout. On a le plaisir et la chance d'aujourd'hui d'être avec Jérémy Anzoli. Bonjour Jérémy, ça va ? Salut tout le monde, ça va. Alors, pour vous faire un petit point rapide sur sa carrière, Jérémy Anzoli commençait sa carrière pro à 17 ans seulement, c'était à Nanterre alors qu'il était en Pro B. Jérémy a gagné l'Euro Challenge en 2015, a été champion de Pro B en 2014, a gagné la Coupe de France 2014, champion de France 2013 et 2017. C'était avec Nanterre puis avec Chalon, c'était un membre éminent évidemment de ces équipes-là. Un shoot légendaire, on en parlait un petit peu avec Thomas, lui il n'avait pas forcément le souvenir. Moi je me rappelle d'un shoot magnifique, c'était en finale des playoffs contre Strasbourg. Moi j'étais en direct et forcément j'ai un peu exulté parce que je me rappelle très très bien de l'action forcément. Et Jérémy, c'est évidemment sur le terrain des qualités athlétiques, une détente, des qualités défensives qui sont supérieures par rapport à la Jeep Elite. Bon, on a pas mal de choses à voir et on va commencer par Paul. Oh, je mets des coups dans ma table moi malheureusement. Jérémy, on va commencer par parler de toi, donc de ton actualité. Comment ça va physiquement avant le début de l'Afro Basket? Comment ça va physiquement, mentalement avant cette compétition donc avec le Cameroun? Là, physiquement, je suis en train de reprendre, puisque bon, on avait pas mal enchaîné sur la fin de saison. On a eu quelque chose comme 20 matchs en 2 mois, un truc comme ça. Je sais plus exactement, peut-être en 2 mois et demi, peut-être 20 matchs, quoi. Donc, physiquement, ça va envoyer. Donc, j'ai beaucoup coupé. Et puis, même mentalement, c'était difficile. On sort d'une descente. Donc, forcément, c'est pas la meilleure atmosphère possible. Donc, là, j'ai recommencé à jouer lundi dernier. Okay. Cette semaine, je suis participé à l'Amiral League, histoire de reprendre petit à petit la forme. Et le but, c'est d'arriver dans un état de forme intéressant le 6 août pour rejoindre le Cameroun. Le 6 août, donc c'est dans à peu près, ouais, c'est dans à peine 2 semaines. Donc ouais, une fois au Cameroun, on reprend avec l'équipe nationale, grosse prépa physique. Et puis voilà, l'idée, c'est d'arriver le plus frais possible, évidemment, pour ce début de compète. En fait, justement, cette année, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. C'est différent. D'habitude, on a une préparation plus longue. Là, on aura seulement un petit peu plus de 2 semaines. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive prêt physiquement. Alors que d'habitude, la prépa fait partie de la préparation. Justement, la préparation physique fait partie de la préparation en général. Alors que là, cette année, elle va être tronquée. Donc, on aura surtout que du basket. Donc, ils nous ont demandé d'arriver assez prêt physiquement. OK. Thomas, peut-être ? Non, bah, on a hâte parce que c'est vrai que l'afro-basket, c'est quelque chose qui est en train de monter. C'est une compétition qui commence vraiment à être reconnue à sa juste valeur. C'est très physique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intensité. Il y a des sacrés athlètes et il y a de plus en plus de joueurs qu'on voit en France qui participent à ces compétitions-là. Donc, on le voit avec des équipes africaines comme le Nigeria qui fait sensation au JO. Donc, il y a vraiment un niveau qui est monté et c'est vraiment très, très intéressant comme compétition. C'est ça, puisque moi, j'ai commencé en 2012 avec l'équipe nationale et en 2013, mon premier afro. Et je le vois bien que comparé aux premiers afros, il y a beaucoup plus de joueurs professionnels. Déjà en 2015, on avait plus. J'ai vu qu'en 2017, bon, en 2017, c'était un peu particulier, mais je sais que sur celui-là, il y aura encore beaucoup plus de joueurs professionnels. Donc, ça va rendre la compétition encore plus intéressante. Et moi, je vois bien que le niveau évolue. Même le style d'arbitrage, le style de jeu, il change. En 2013, c'était beaucoup plus physique que ça l'était en 2015, et je pense que cela sera encore un peu moins aujourd'hui parce que on a des joueurs qui ont, on va dire, de meilleure qualité basket, alors qu'avant c'était vraiment que le côté physique. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Et comment tu l'expliques alors cette hausse du niveau moyen en Afrique? Est-ce que ça vient par exemple de tout ce que la NBA a mis en place au niveau des camps de détection? Est-ce que ça motive les joueurs au sein du continent pour se développer? Est-ce que ouais, c'est les joueurs africains qui commencent à bien percer aux États-Unis, Joel Embiid évidemment et tant d'autres? Et qu'est-ce qui selon toi fait en fait que l'Afrique progresse beaucoup dans le basket ces derniers temps? C'est grâce à tous les joueurs africains en manière générale, en fait, tous les Africains sortis d'Afrique qui performent, que ce soit aussi bien en NBA qu'en Europe, ils ouvrent la voie aux autres, en fait, parce que ça fait que les dirigeants ou autres en Europe et même en NBA disent, bon, il y a peut-être un vivier là-bas, il y a quelque chose à voir, puisque par exemple, nous, avec le Cameroun, on a 2 joueurs qui sont All-Star NBA, donc forcément, aujourd'hui, la NBA, elle est un peu plus tournée vers le Cameroun, donc forcément, ça permet à ces jeunes-là de mieux se développer, parce que le Cameroun, le championnat est très mal développé,
Et aujourd'hui, grâce à ça, c'est des choses qu'ils essaient de mettre en place. Et la balle, c'est vraiment une superbe idée. Je pense que ça va permettre de montrer de plus en plus de joueurs. Thomas, peut-être? Non, non, bah, on le voit effectivement, même la NBA a mis en place pas mal de process en Afrique, effectivement, avec des compétitions. C'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de faire. Et puis, ça participe à l'internationalisation aussi du basket et de la NBA, forcément. Et forcément, ça monte le niveau général. Les plus jeunes, ils ont envie de ressembler à ces gars-là. Et forcément, bah, ça appelle du progrès dans la formation. Parce que j'imagine aussi que la formation, elle a évolué beaucoup en Afrique. Ouais, parce que, ben, y a de plus en plus de coachs aussi qui sortent même, qui voient autre chose. Parce que même, faut pas oublier que, bon, c'était pas une époque d'ancêtres, mais malgré tout, ça devient toujours de plus en plus facile de voyager, de voir ce qui se fait ailleurs, sans même voyager. Aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a, c'est beaucoup plus facile de récupérer des matchs de X ou Y, alors que 10 ans en arrière, ça restait malgré tout un peu plus complexe. Donc aujourd'hui, on peut faire de l'étranger en restant à domicile. Et aussi, on peut voyager plus facilement. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Cette équipe camerounaise, je regardais la sélection en préparant cette interview. Jérémy, on a évidemment Gédéon Pitard qu'on connaît bien en France qui joue à Antibes. Betkom Samir aussi qui joue à Vichy Clermont. Qu'est-ce que cette équipe du Cameroun peut ambitionner alors dans cet Afro-basket? Il y a encore d'autres joueurs qui sont connus en France, puisqu'il y a Benoît Mbala, qui joue avec Morient cette année et qui était à Limoges à Exact, côté. exact. Y a Kenneth Kadji. Qui vient de signer à Gravelines et qui a affronté pas mal de clubs français en Coupe d'Europe, puisqu'il a joué pas mal en Turquie, Espagne, Italie et Allemagne, si je ne me trompe pas. Il y a aussi DJ Strawberry, qui est connu aussi du Ah, DJ championnat, puisqu'il Strawberry, a exact. joué avec Pau. Je ne sais pas s'il viendra, mais Landry Nocco doit être un peu connu des joueurs, des gens qui suivent le basket, puisqu'il a évolué en Euroleague avec l'Étoile Rouge. Qui est-ce qu'on a encore? On a Adala Moto qui a joué à Nancy et à Vichy. Bon là, je n'ai pas tous les noms en tête, mais c'est sensiblement ça. Après, on a un petit jeune qui évolue en Italie. On a d'autres aussi. Enfin, il y en a deux qui évoluent en Il y a de la Italie. Bon, densité, ouais. cette année, on a vraiment un effectif qui est très, 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 très intéressant, sachant que j'ai bien aimé ce qu'on a fait à la dernière fenêtre de qualification pour l'Afro, même si on n'a pas eu les résultats escomptés, mais le potentiel que j'ai vu et la mentalité que j'ai vue m'a beaucoup plu. C'était deux victoires, je crois, deux victoires sur trois matchs, c'était ça, la dernière C'est fenêtre. ça, exactement. On va revenir un petit peu peut-être à toi Jérémy. J'en parlais en introduction, ce fabuleux titre remporté avec Chalon. On sort de 2 années compliquées à Strasbourg. Et donc cette année, tu étais pigiste médical à Boulazac, donc qui est redescendu en probé. Mais au final, tu as quasiment joué, je crois, 29 matchs avec Boulazac. Donc c'est même plus qu'une pigiste médicale, c'est carrément quasi une saison complète avec Boulazac. Comment tu te situes, toi, par rapport à la saison prochaine? Est-ce que tu repenses un peu ton basket? Comment en fait, par rapport à ces 3 dernières années, tu as évolué aussi en tant que joueur pour continuer à durer, tout simplement, parce que tu as démarré super jeune malgré tout. Ben, le truc, c'est qu'aujourd'hui, justement, je suis dans une phase encore d'apprentissage. C'est ça qui est fou, c'est que là, je crois que ça doit être ma 10e année pro ou 11e, je ne sais plus trop. Et là, je suis en train de redécouvrir encore une nouvelle phase parce que je vais devoir repartir de zéro, mais avec plus d'acquis et de connaissances que quand j'ai commencé. Puisque là, aujourd'hui, je le vois bien, ben, en quelque sorte, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, ben, pour l'instant, je n'ai toujours pas de club. Je ne pensais pas me retrouver dans cette situation, puisque là, ça allait vraiment très vite. Il y a à peine un an de cela, j'étais encore dans un top club français. Aujourd'hui, je galère à trouver un club. C'est le métier. On sait que c'est ça le basket pro. Il n'y a pas d'acquis. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre, puisque moi, je suis un peu monté vite en quelque sorte. Et là, c'est en train de descendre vite. Donc maintenant, je suis en train de faire un gros travail sur moi-même pour me dire que bon, il va falloir que j'accepte que tout ce que j'ai fait avant, c'est complètement oublié. On repart de zéro. Il va falloir remontrer aux gens que je peux être un bon joueur de cette ligue. C'est parce que le championnat évolue aussi vite, beaucoup. Peut-être que les tractions avant, comme l'ASVEL et comme Monaco, font que, je sais pas, les clubs étrangers, enfin les autres clubs du championnat, pardon, essayent d'aller vers des profils étrangers. Comment tu pourrais l'expliquer ça, cette évolution aussi rapide? Bon, il y a trois choses majeures qui en sortent. Premièrement, c'est que ben, moi, j'ai toujours été quand même un joueur malgré tout reconnu d'abord pour mes qualités physiques. Et donc, beaucoup de clubs pensaient que mon genou ne pouvait plus, donc ils avaient peur à cause de ça. Deuxièmement, aujourd'hui, les jeunes jouent plus qu'à mon époque.
Parce qu'aujourd'hui, comme en plus je pense que vous devez vous suivre la NBA d'une manière générale, aujourd'hui, la draft est beaucoup plus accessible qu'il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, un bon petit joueur français peut être drafté. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible. Il fallait être un Evan Fournier pour être drafté. Il fallait être un Rudy Gobert. C'était des On gens le qui voit avaient avec des Hugo physiques Besson. énormes. C'est On le voit ça. avec Hugo Besson en premier qui a fait une exceptionnelle saison et on parle déjà de lui pour la draft. On les propulse beaucoup plus Bien vite, sûr. c'est vrai ce que tu Même Johan Bégarin, dis. même des gars comme Johan Bégarin, ils n'ont Oui. pas fait une saison exceptionnelle, mais ils sont bons, il y a du potentiel, ça suffit aujourd'hui. Oui, clairement, clairement. Parce que même un joueur que moi je trouve très fort, hein, mais Isaiah Cordinier, à l'époque, je ne pense pas qu'il aurait pu être drafté, puisqu'à ce moment-là, il sortait de Denain, où il avait fait une saison de 9 ou 10 points. Adam Mokoka, il avait fait une saison très moyenne en France, et après, il s'était un peu plus montré en Serbie, mais à l'époque, ça n'aurait pas suffi pour être drafté. Aujourd'hui, être drafté ou arriver en NBA, c'est beaucoup plus accessible. Donc forcément, les clubs, ils voient leur côté business, où bah, comment dire, ça ramène de l'argent. Donc forcément, ils mettent un peu plus les gens en avant. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de jeunes qui recommencent à jouer de plus en plus. Donc forcément, nous les vieux, ça commence à nous pousser un peu plus facilement Un vers la vieux à sortie. 30 ans quand même. Mais c'est comme ça que je vois les choses maintenant, parce que je commence à me sentir vieux, parce que dans pas mal d'équipes maintenant, bah, je suis dans la deuxième partie de ma carrière. Donc je ne fais plus partie des petits jeunes, quoi. Et puis dernièrement, avec le fait qu'il n'y avait plus d'Euroleague pendant un moment, là, enfin, à part l'ASVEL là, qui l'a récupéré. En France, on a des Américains moins chers, on va dire ça comme ça. On a des Américains qui Ouais. coûtent moins cher. Et donc, forcément, comment dire, les clubs aujourd'hui cherchent plus à faire des coups. Parce que justement, plein de fois, il y a des Américains qui vont jouer dans des championnats de seconde zone ou même pire, mais qui au final sont des très bons joueurs. Donc aujourd'hui, les clubs sont beaucoup plus axés sur ce genre de joueurs-là. Et donc, ils tentent des coups. Et donc, pareil, on donne un peu moins de responsabilité aux Français, puisque. Des Français responsabilisés aussi dans le championnat, je trouve qu'il y en a un peu moins déjà qu'il y a 2-3 ans, quoi. C'est vrai, en plus, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui prennent une nationalité européenne. Je pense notamment à Dibost, là, à Monaco, qui est hongrois, je crois, maintenant. Donc, forcément, ça Bulgare. permet aux Bulgares, pardon, ouais, qui permet à. Ouais. J'ai confondu les couleurs du pays. T'es pas loin. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant à voir. Malgré tout, au final, quand on regarde ton profil de joueur, il y a quand même une certaine polyvalence. Donc, peut-être qu'il faut aussi garder espoir, garder la foi en soi. Et peut-être, je sais pas, mais est-ce que tu te concentres vraiment sur la progression ou sur consolider tes acquis, montrer que le genou va bien et conserver tes aptitudes défensives, etc. Ou est-ce que tu te focalises pour essayer de bosser peut-être un peu plus, je sais pas, la côté du basket pour rester mobilisé, pour trouver d'autres signes de motivation, je sais pas, comment est-ce que tu vois justement cette perspective? Est-ce que c'est plus mental ou est-ce que c'est juste confirmer que non, le genou va bien et arrêter de m'embêter avec ça, quoi? Ben, je pense que forcément, plus on joue, plus on gagne de l'expérience. Donc forcément, j'ai progressé sur pas mal de choses. Maintenant, c'est que on m'a certaines fois mis dans certains registres et tout qui me permettaient moins de le montrer. Mais aujourd'hui, je suis dans une position où en fait, je vais devoir prendre ce qu'on me donne. Si on me demande de juste rentrer et défendre, ben, je vais devoir recommencer comme quand j'étais jeune, rentrer, défendre et montrer que je peux être efficace sur le peu qu'on va me donner en attaque. Donc, j'essaie de me concentrer sur ça et aussi, effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, j'essaye un peu de décrocher aussi un peu du basket pour en gros que quand je suis sur un terrain ou quand je vais à la salle, je suis à fond dedans. Mais quand je sors de la salle, j'essaye de prendre un certain recul pour pas non plus être trop bouffé par la situation. Pour avoir pas mal discuté avec Abdou Mbaye qui sort de 3 ans, je crois, au PB 86, lui me disait qu'en fait, il avait vu que lui a pas mal été blessé, je crois, bah, notamment au genou dans sa carrière, aux adducteurs aussi. Il a pas mal été blessé aux adducteurs quand il était à Poitiers. Lui, il est parti dans des études de kiné, par exemple. Il est venu à Poitiers, il a fait de la kiné à Nantes, etc. Et ça lui a permis justement d'être, comme tu le dis, en fait, de scinder ses priorités. C'est-à-dire, une fois que je suis au basket, je suis à fond basket, je pense que basket, mais en dehors, je pense un petit peu à autre chose. Est-ce que toi aussi, tu es un petit peu dans cette idée-là ou pas encore, parce que malgré tout, à 30 ans, il y a tellement de belles choses à faire encore que c'est trop tôt pour y penser. Ouais, non, en fait, je me dis, c'est maintenant que faut que j'y commence maintenant. Après, c'est sûr que c'est pas aussi oppressant que quand j'en aurai 34, mais ça commence maintenant. Et déjà, depuis Strasbourg, en fait, puisque j'avais jamais rien. Moi, j'étais quelqu'un qui ne me blessait pas de base. Avant cette blessure qui m'est arrivée, j'étais quelqu'un qui ne se blessait pas. Donc, ce n'est pas des choses auxquelles je pensais. Maintenant que c'est devenu réel, ça a fait que j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé avec un espèce de, je sais pas comment dire, est-ce que c'était un coach de vie ou quoi, un coach d'orientation, je sais pas, mais qui m'aidait un peu à trouver dans quoi est-ce que je pourrais m'épanouir après le basket, puisque. Faut pas l'oublier, c'est un métier qui finit très tôt. Au mieux, bon,
Si de là dans 6 ans je peux encore jouer, c'est cool. Si je peux finir dans 6 ans, c'est cool. Après, pour les monstres comme le Flo Pietrus ou autres, avec qui j'ai joué, qui peuvent tenir jusqu'à 40 ans, mais bon, moi je pense pas que j'irai jusque-là. Mais en vrai, il me reste 5-6 ans, donc c'est le moment de commencer à penser à l'après. Et puis les clubs français, ce n'est pas la NBA, quoi. Ce n'est pas les mêmes salaires, ce n'est pas les mêmes revenus. Vraiment, ce n'est pas le même monde. Il y a comment dire, le prisme NBA ne peut pas faire oublier en gros tout ce qui se passe pour les joueurs de G-League ou même de Pro B. C'est compliqué. Il y a des joueurs qui galèrent, il y a des joueurs qui vont galérer à trouver des clubs. Toi, tu as une certaine expérience, donc tu as aussi sur ton CV ça qui plaide pour toi. Et donc, j'espère quand même que tu vas retrouver un club avec ses facultés défensives qui, bah justement, on prend. Alors, je vais prendre toute proportion gardée. Je ne dis pas que tu trouverais une place en NBA, mais en NBA, les défenseurs, c'est hyper prisé. Ah ouais, En c'est vrai ça par G-League, contre. est-ce qu'on les recherche autant? Est-ce que ces profils-là, ils sont aussi intéressants? Des gars qui peuvent te coller dessus pendant 4 quarts temps et pas te lâcher et te mettre la misère sur demi-terrain ou sur terrain complet, quoi. Bon, moi je le dis honnêtement parce que bon, je dis les vérités. Aujourd'hui, les coachs, dans les mots, c'est ce qu'ils vont dire, mais dans les faits, ils veulent avoir un gars comme ça, mais qui mette des points. Et c'est en fait la NBA, c'est comme c'est ce que je dis souvent aux gens, la NBA, c'est chacun son registre en fait. Et ils aiment beaucoup les registres. Alors qu'en France, bon, il y a moins d'argent, donc c'est plus difficile de demander à quelqu'un de défendre super dur et d'accepter de tirer une fois ou deux fois dans le match quand tu payes 3, 4 ou 5 000 euros. Parce que si on prend un instant T, ça fait une somme correcte, bien pour vivre. Mais quand on regarde tous les sacrifices qu'il y a autour et se dire que derrière, ben, ça ne va pas lui permettre de nourrir sa famille très longtemps, c'est plus difficile que quand en NBA, par exemple, on demande la même chose, mais qu'on te paye 2, 3, 4 millions. Forcément, tu vas te taire, tu vas défendre le plus dur possible sans même regarder l'arceau, et tu vas prendre les 2, 3, 4 millions qui vont te permettre de toi vivre très aisément et de nourrir ta famille et la génération suivante. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les coachs le savent et les joueurs le savent. Donc, à un moment donné, même les gros défenseurs savent qu'ils doivent chercher quand même à apporter un minimum de l'autre côté. Sinon, à un moment donné, ben, ça ne peut pas le faire. Alors que par exemple, on prend André Robertson, qui à un moment donné avait une très belle cote parce qu'il défendait comme un chien, il ne pouvait pas mettre un tir, mais là, sa défense, elle suffisait vu qu'il y avait des gros attaquants autour, quoi. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que par rapport à un recrutement potentiel de ton profil sur une équipe, il faudrait qu'en fait, dans l'idéal, tu aies un club qui te dise bon, Jérémy, on te recrute pour que tu sois un 3D, quoi. C'est vraiment, tu mets les shoots, tu peux attaquer le cercle aussi, puisque tu as des qualités de pénétration qui sont certaines en plus hein, au cercle. Mais voilà, d'être un 3D et pourquoi pas de temps en temps, ouais, tu peux finir une action, tu peux aller au cercle, etc. Et puis te faire plaisir, parce que bon, tu restes un bon attaquant quand même. Mais c'est vraiment dans ce registre-là aussi. En fait, moi aujourd'hui, je prendrais peu importe ce qu'on me donne. Je me suis toujours adapté parce que par exemple, à Boulazac, on servait de moi un peu dans ce registre-là, surtout en tant que shooter. Alors que de base, c'était pas. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de problème avec mon shoot. J'ai jamais été non plus un grand shooter, mais j'ai toujours su mettre des shoots qui font mal, on va dire, en quelque sorte. Là, cette année, on m'utilisait quasiment que exclusivement dans ce registre-là. Je l'acceptais parce que je n'étais pas là pour venir tirer la couverture, mais. C'est pas le registre qui me plaisait plus. Donc, le prochain contrat qu'on proposera, je m'adapterai à ce que le coach demande et en essayant d'être le plus performant dans ce registre-là. Eh bien, on espère que tu vas trouver ce bonheur-là en JP Elite ou alors peut-être, pourquoi pas, dans une équipe qui joue le très haut de tableau en Pro B, peut-être. Je suis un peu ouvert à tout, hein. Même l'étranger, je suis pas fermé. Donc, aujourd'hui, Bien là, sûr, oui, franchement, aussi. je vois pas beaucoup de fenêtres de tir. Donc, pour Ça l'instant, va je reste venir. patient. J'essaie de travailler de mon côté et puis on va voir ce que l'avenir me réserve. Puis d'ailleurs, un très bon Eurobasket du Camo de ta part te permettrait Afro-basket, aussi pardon. de refaire de l'exposition autour de ton profil, en fait. C'est peut-être une chance aussi. Aussi, Il ne faut pas le voir comme puisqu'aujourd'hui, ça. comme vous l'avez dit, ben, c'est un peu plus respecté qu'il y a quelques années. Parce que, par exemple, mon dernier Afro-basket, je tournais, je crois, un peu plus de 15 points de moyenne. Mais les gens, ils se disaient, ah, c'est l'Afro. Alors qu'à la fin de cette même saison-là, sur la deuxième partie de saison en Pro A, à l'époque, ça s'appelait Pro A, j'étais à 14 points de moyenne. Donc, ça montre que le niveau là-bas n'est pas si dégueulasse. Donc, je pense qu'il commence à respecter de plus en plus. Donc, effectivement, si je suis pas mauvais, si je suis plutôt bon et que l'équipe fait des résultats, parce qu'en gros, c'est toujours réfléchi de la sorte. Parce que je me dis toujours être bon dans une équipe qui perd, on s'en fiche. Donc, moi, le but aujourd'hui, je me concentre sur le fait qu'on aille chercher une médaille
et apporter le plus possible dans tous les domaines pour qu'on puisse aller chercher cette médaille. Thomas, d'ailleurs, petite question, tu es toujours capitaine de l'équipe? Oui, toujours, oui. Ok, mais même ça, je trouve que c'est des qualités de leadership qui sont un peu galvaudées aujourd'hui. C'est des qualités qu'on recherche moins, alors que c'est dans n'importe quel club. On voit qu'une équipe sans leader, ce n'est pas forcément une équipe qui va marcher. Il faut des leaders, il faut des jeunes, il faut des gars qui se taisent et qui vont faire ce qu'on leur demande. Il faut de tout, il faut plein de profils différents. Donc, tout ça fait, c'est vrai que quand tu mets les choses les unes derrière les autres, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Il va bien finir par trouver un ouais, club. Ça c'est va venir. Obligatoire. En plus, donc, moi, j'ai toujours été un peu le lien entre, d'autant plus aujourd'hui, vu que je prends de l'âge un peu, mais entre les jeunes et les vieux, entre les coachs et les joueurs, entre les Américains et les Français, puisque moi, je m'entends toujours bien avec tout le monde, peu importe l'origine, hein, parce que j'ai Américain-Français, parce que c'est ce qu'il y a le plus, mais même s'il y a des Serbes, peu importe ce qu'il y a, je m'entends vraiment toujours bien avec tout le monde. Donc, j'ai toujours été un peu le lien entre tout le monde. Mais ça, bien sûr, c'est quand on me sent impliqué, sans trop m'étaler. Par exemple, à Blazac, c'était moins le cas, donc c'était un peu plus compliqué. Mais d'une manière générale, ça a toujours été un registre dans lequel j'ai été. Et forcément, l'équipe nationale, vu que je suis le plus ancien, puisque j'ai commencé en 2012 et il n'y a pas de restant à part moi. Donc forcément, ça me donne un certain rôle aussi. Je sais qu'il ne va pas falloir qu'on tarde à se laisser, malheureusement, même si c'est très intéressant de t'entendre, Jérémy. On va peut-être aller une dernière petite question par rapport à l'équipe de France, donc qui a commencé ses JO par une super victoire face aux États-Unis. Un match vraiment à rebondissement, en plus, puisque à 8 minutes de la fin du carton, du dernier carton, les États-Unis passent en 13-1 à la France et la faute avait des problèmes de faute. Comment tu la vois, toi, alors, cette équipe de France dans une poule avec les US, la République tchèque et l'Iran? Comment tu sens cette équipe de France qui, on le rappelle, avait perdu 3 matchs de prépa, qui gagne au final ce match qui met beaucoup d'exposition et beaucoup d'espoir sur cette équipe? Est-ce que tu la vois aller, par exemple, chercher une petite médaille au bout de cette compète, quand tu vois la densité aussi qu'il y a à l'international? Là, c'est les JO, donc c'est la plus grosse compétition, toutes les stars veulent venir, c'est pas comme la Coupe du Monde, il y en a beaucoup qui vont faire l'impasse dessus, donc forcément aller chercher une médaille, ce sera difficile. Mais quand on voit l'équipe qu'ils en aient, pour moi, de ne pas prétendre à une médaille, ce serait honteux. Donc après, le faire, c'est autre chose, parce qu'on sait que le sport, c'est pas qu'un calcul, sinon les paris sportifs ne marcheraient pas. Mais aujourd'hui, ils ont une très belle équipe, et c'est ce qu'ils ont montré contre les États-Unis, parce que aujourd'hui, avec tous les joueurs qui jouent à l'étranger, entre autres en NBA, le niveau s'est un peu resserré au final, parce que c'est des joueurs que maintenant, aujourd'hui, ils les idolâtrent plus. Ils les jouent 2, 3, 4 fois dans la saison, ou même des fois, ils jouent avec eux, comme par exemple les 20 qui jouent avec Tatum. Donc, ça décomplexe. Et le fait qu'ils les avaient déjà battus, même si c'était une équipe bien moins forte, mais le fait qu'ils aient déjà battu mentalement, c'est plus la même chose. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'ils ont une très belle équipe. Après, on connaît malheureusement l'équipe de France, c'est connu pour être très inconstante, mais je trouve que sur le papier, il y a vraiment de quoi faire quelque chose cette année. Mais c'est mon point de vue. Ouais, moi, c'est un petit peu le nôtre aussi. Hein. Vas-y, Thomas. Que le coaching aussi a changé. Tu connais un petit peu Vincent Collet, du coup. on l'a vu. Alors, moi, je n'étais pas le plus grand fan de base, mais c'est vrai qu'on l'a vu faire pas mal, modifier pas mal de choses dans son coaching au fil des années. En particulier, il avait fait sortir de Colo du banc, il avait fait ce choix-là. Là, contre les États-Unis, le tall ball. Colo à la main sur le poste 1, il joue à une bonne partie du match à 2 pivots. Donc, face à une équipe qui joue plutôt small ball. Donc, on sent que lui aussi, il a progressé et que l'expérience, elle est bien meilleure aujourd'hui. Donc, tout ça fait que ça aide, ça prend un petit peu plus, je trouve. Même si, comme tu dis, l'équipe de France a cette réputation d'être assez inconstante. Mais honnêtement, oui, ils doivent viser quelque chose. Ils peuvent pas ne pas viser une médaille, voire le titre. À un moment, il faut arrêter de se cacher aussi. Non, mais il ne faut pas se cacher. À un moment, on a des joueurs NBA, on a un 5, c'est que des joueurs NBA, quasiment. En tout cas, on ne peut pas se cacher et dire qu'on vise autre chose que l'or. C'est du sport, et Jérémy le sait bien mieux que moi. Bien sûr. C'est du sport, tu ne joues pas pour être troisième, quoi. Bien sûr. Je crois qu'il y a… Vas-y, Jérémy, pardon. Non, vas-y, excuse-moi. Non, je me disais, je crois qu'il y a Pascal Donadieu dans le staff en plus de l'équipe de France. Oui, on connaît encore plus. Là, on passe un stab dans la carrière de Jérémy Enzoli, parce que Pascal Donadieu et Jérémy Enzoli, c'est une belle histoire quand même, qui a duré. Non, c'est clair, mais surtout parce que, pour ajouter sur ce que Thomas disait, c'est qu'aussi, le jeu FIBA correspond plus
à l'équipe de France qu'à aux Américains. Parce qu'il faut regarder une chose. Par exemple, l'équipe qu'ils ont appelée la Redeem Team, là. Si vous regardez, ils ont gagné comment? Une défense extraordinaire que personne ne pouvait tenir. Que même les grosses équipes tenaient trois cartons et elles finissaient par craquer au quatrième. Mais d'un point de vue basket, les États-Unis n'ont jamais été au-dessus. Les États-Unis, c'est un peu grossier de dire ça comme ça, je grossis le trait. Mais en soi, ils ne jouent pas au basket. Ils accumulent les talents et des joueurs avec un physique hors norme. Mais par exemple, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable de regarder un Doncic qui va lire le jeu créé pour les autres et sans forcément être que dans les qualités athlétiques, puisque ce n'est pas sa première Petit qualité. talent, petit talent. Petit quoi? Un garçon d'avenir. Petit talent, donc, si tu... Quand même, il y a un peu de quoi faire. Donc, quand on regarde, parce que même l'Espagne, si on regarde sur le papier, oui, ils ont des noms, mais c'est des joueurs que je pense pas que ce soit les meilleurs joueurs du monde dans le contre un. Mais c'est une équipe qui joue au basket. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore, malgré toutes les qualités athlétiques et autres de la France galère contre l'Espagne, parce que en FIBA, le basket, ça compte énormément. En NBA, c'est différent, les terrains sont plus grands, donc tenir son gars en contre un sur un terrain aussi large, ça demande de faire des allers-retours beaucoup plus longs, etc. Donc forcément, les qualités individuelles sont encore plus mises en exergue. Donc c'est pour ça que la France a un avantage sur ça, sur les États-Unis, parce qu'ils connaissent mieux le jeu FIBA. Et c'est Et pour ça qu'il faut faire l'arbitrage. attention exactement, et l'arbitrage. Et c'est pour ça qu'il faut malgré tout faire attention aux Espagnols, parce que eux, justement, ils le maîtrisent encore mieux, ce jeu FIBA. Exactement. Eh ben écoute, Jérémy Angeli, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour ce petit interview où on a parlé de plein de choses diverses et variées. Ben voilà, je commence en tapant dans ma table, je finis en tapant dans ma table, c'est génial. Faudrait que je coupe ça au montage. Merci encore infiniment, Jérémy Angeli, en espérant évidemment que tu trouves un projet à la hauteur de tes ambitions pour la reprise. Bon tournoi aussi avec le Cameroun à l'Afrobasket. C'est début septembre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus les dates sous C'est les. fin août, c'est du Ah, c'est 24 fin au août, pardon. 5. C'est ça. Merci pour la précision. J'avais tout noté sauf ça. Merci beaucoup, Jérémy, en tout cas, et puis très bon tournoi et merci encore pour ta sympathie. Allez, ciao, ciao. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à partager ce contenu si vous a plu. Allez, ciao, ciao.